tabassé la mauvaise personne. En réalité, j'en ai rien à faire de Duke. Je ressens un truc très fort pour son copain, Sébastien. Et j'essayais seulement de rendre Sébastien jaloux. Ah bon? Ouais, je sais que c'est vraiment honteux de manipuler quelqu'un comme ça, et j'en suis pas très fière, mais... je suis vraiment dingue de Sébastien. Oh, il est tellement beau, et c'est pas le genre de crétin pédant comme on en voit souvent. Il est très délicat, il est même très raffiné. Oh, et chaque fois qu'il sourit, je peux pas m'empêcher de le regarder, et je le trouve merveilleux. Tu sais, Olivia... c'est Olivia, c'est ça? Oui. Je vais te donner un petit conseil. Vas-y. Ça suffit comme ça! Tu es en train de t'enfoncer dans un sac de nœuds. Ouais, c'est un vrai sac de nœuds. Et ma chérie, tu dois dire stop, d'accord? Alors tu vas aller dire la vérité à tout le monde. Et sois franche, hein, très franche. Il faudra que tu supportes les foudres qui vont s'abattre. T'as raison. Je sais. La prochaine fois que je vois Sébastien, je vais marcher directement vers lui. Tu marches, oui. Et je vais lui dire que je l'aime à la folie. Tu lui dis que tu l'aimes. Je vais l'embrasser avec une telle passion que même son pire ennemi voudra être à ma place. Salut, Viola. Oh, va y avoir de l'orage. Et salut, toi, sale voleuse de mec. Qui es-tu? Je suis la petite copine de Sébastien. T'es son ex-petite copine. Ça suffit, il faut que tout le monde arrête de dire ça. Oh, t'es la fille qui l'a plaquée en beauté à la pizzeria l'autre jour. Non, c'est faux. Il ne m'a pas plaquée. Il se trouve qu'en ce moment, on traverse une mauvaise passe. Ah, je l'ai entendu te plaquer. Il t'a plaquée en beauté. C'était même un vrai beau plaquage. C'est la mauvaise personne! Comment se fait-il que je vous trouve toujours mêlée à une dispute? Manque de bol?